Ça, c'est Minecraft, les amis, et aujourd'hui, j'ai ajouté des escaliers en briques qui drop du stuff ultime. Vous allez voir, ça va être juste incroyable. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant le début de l'été, donc ça veut dire début juin. Donc je compte sur vous pour qu'il y ait une pluie d'abonnements. Allez, let's go, c'est parti. Et en plus de ça, activez la cloche, comme ça, vous serez au courant de toutes les dernières vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Ok, ok les amis, allez, let's go, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai ajouté un mode où tout simplement les escaliers en briques, vous allez voir quelles briques je parle, voilà, et bah tout simplement, ils sont ultra fumés, voilà, parce qu'ils vont me drop tout simplement du stuff. Ça va être juste incroyable, donc on va tester ça ensemble, on va voir qu'est-ce que ça drop comme item, parce que j'en ai aucune idée de qu'est-ce que ça drop, mais là pour l'instant, je récupère du bois pour me faire quelques petits outils. Et bah écoutez, c'est parfait, on a une table de craft, alors hop là, on va mettre ça comme ça, on va faire une pioche, et là, la première chose que je vais faire, j'avais vu qu'il y avait de la pierre, oh, il y a un petit lac de lave juste à côté, et bah c'est sympathique tout ça. Donc là, on va piquer un petit peu de pierre, voilà, donc là c'est parfait, on a 3 de pierre, et bah écoutez, on va se faire une pioche en pierre, comme ça on ira beaucoup plus vite pour aller chercher de la pierre. Et bah écoutez, c'est parti, sans plus tarder, on va directement aller chercher de la pierre en masse. Oui, parce qu'il nous faut de la pierre en masse, pour tout simplement la faire chauffer, ensuite faire des blocs de briques, et ensuite faire des escaliers en briques. Voilà, ça va être assez compliqué, donc allez, sans plus tarder, on va pas perdre de temps, on va faire ça direct. Ah, et c'est parfait, sur mon chemin, tout simplement, je trouve du charbon, donc là, ça va me permettre de mettre tout à chauffer dans les fours, donc ça, c'est vraiment super cool. Je vais prendre un stack et demi de pierre, comme ça, je vais pouvoir faire pas mal de fours, je vais pouvoir mettre toute la pierre là-dedans et tout faire chauffer, et tout simplement, faire les escaliers. Allez, let's go, c'est parti. Eh ben écoutez, regardez-moi ça, c'est pas mal tout ce qu'on a récupéré. On s'est emmerdé tout simplement à farm, mais là c'est parfait. Et puis bah écoutez, on va sortir directement et on va commencer à tout faire chauffer. Alors, bien évidemment, la première chose que je vais faire, c'est des fours. Donc 2 et 3 et 4, voilà, parfait, pile poil assez. Et puis bah écoutez, on va les mettre en ligne comme ceci. Et là, on va diviser la totalité, voilà, 16 par 16. Et là maintenant, on divise la totalité, voilà, parfait, hop là. Et bah maintenant il reste plus qu'à attendre les amis, que tout ça chauffe. Puis bah écoutez, bah on se retrouve quand tout est chaud. Et bah voilà, regardez-moi ça, c'est parfait les amis, on a un stack entier de chauffer. Et bah écoutez, on va faire nos briques. Alors j'espère que je vais pas me tromper. Et bah voilà, c'est parfait, on a 64 entiers. Et puis bah écoutez, maintenant il reste plus qu'à faire des escaliers. Voilà, à tout diviser comme ceci, boum. Et puis bah écoutez, c'est parfait, regardez-moi ça. En plus de ça, le soleil se couche. Et bah écoutez, on va faire un truc. On va peut-être aller chercher un village avant, hein, avant de casser des escaliers, parce que là sinon ça va être la merde. En plus de ça, on a même pas de nourriture. Ça serait vraiment cool d'avoir de la nourriture. Bon bah écoutez, hein, c'est inévitable, hein, on va se taper les mobs. J'espère qu'on va trouver très rapidement un village, s'il vous plaît. Je me pavane dans les plaines de Minecraft. Allez, let's go pour trouver un village. Allez, s'il te plaît, c'est bon, on vient de trouver un village, les amis. Oh là 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 là, là c'est chaud comme la braise. Regardez-moi ça, il y a plein de mobs de partout. Oh là là là, j'espère que je vais y arriver. Hop là, on va sauter et on va dormir direct illico presto, les amis, parce que là c'est juste trop chaud. Ah, ça y est, c'est bon, on va dormir. Et bah c'est parfait, regardez-moi ça, en plus de ça on a un beau petit coffre avec du pain. Donc ça c'est vraiment très cool. Et puis bah écoutez, on va essayer d'aller chercher du blé. Et après on fait du cassage d'escalier les amis, pour avoir du stuff vraiment oufissime. J'espère que c'est vraiment tous les items du jeu et pas seulement que des armures ou que des outils genre pioche ou conneries comme ça. Oh mon dieu, oh mon dieu, il a pété. Oh là 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 là, il m'a fait des dommages. Quoi? What? Pourquoi j'ai eu une pelle en diamant? C'est quoi cette connerie? Comment c'est possible? Le creeper, il a pété, il m'a donné une pioche en diamant. Alors attendez, c'était pas dans le contrat, hein, c'était pas mon mode ça. Hein. Bon, et bah les amis, écoutez, on va juste faire du pain. On va bien évidemment manger. On va bien évidemment aller tuer le golem juste avant. Voilà, parfait, viens par ici. Oh là là, ça y est. Ouh, on est sans danger. Et bah allez, let's go, c'est parti. On lui déglingue la figure au golem, comme ça on va avoir un peu de fer. On va pouvoir se faire une pioche et on cassera 1000 fois plus vite les escaliers. Et bah ça y est, c'est bon, on a 5 de fer. Oh là 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 là, incroyable. Et bah allez, let's go, hein, c'est parti. On va... Ah bah mince, j'ai plus assez de sticks. Et bah voilà, c'est parfait. Hop là, petite, belle petite pioche en main. Et puis bah écoutez, let's go, c'est parti. On va mettre les escaliers en ligne. Alors on va essayer de trouver une belle petite plaine où on peut mettre tous les escaliers en ligne. Je pense qu'en face, ça peut être pas mal.
Et allez, c'est parti, on met tout ça en ligne les amis, et on va casser tout ça ensemble. Ça va... Oh, j'ai trop hâte les amis de tout casser ensemble. Oh mince, j'en ai mis un à l'envers, je sais pas si ça va faire quelque chose. Et puis bah écoutez, on fait des lignes, hein. Et bah voilà, c'est parfait, regardez-moi ça, ma ligne d'escalier. Et puis bah écoutez, on casse. Oh là 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 là, c'est bon, on a des items. Oh là 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 là, oh, on a une... Oh, oh, on a une hache, oh la vache. Oh mon dieu, Sharpness 32, Unbreaking 255 et Fire Aspect 72, incroyable. On a une des Underperles et on a eu des pommes enchantes. Oh là là, bah c'est bon, on n'a plus besoin de nourriture les amis. Encore des pommes, un pantalon cette fois-ci, des pommes, un pantalon, un casque. Ah ça y est, c'est bon. Oh là là, c'est avec tous les items du jeu les amis. Oh c'est incroyable. Oh, on a eu des yeux d'Ent. Oh c'est trop bien. Bah ça y est, regardez-moi ça, on est riche les amis. Oh, on a un plastron. Alors attendez, Protection 10. Oh là 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 là, incroyable. Protection 10 aussi, le pantalon. Bah écoutez, on va se mettre le pantalon. On va se mettre les bottes. On va se mettre le beau petit plastron Protection 10 aussi. On a, oh là 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 là, la pioche. La pioche de dingue, regardez-moi ça. Efficiency 45. Incroyable les amis, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et puis bah écoutez, on va casser le restant. Et bah voilà les amis, regardez-moi ça. Là on est plutôt bien. On a trop de stuff même limite. Puis bah écoutez, on va faire un truc, on va faire un petit tri. Et puis regardez-moi ça, on a 32 œils d'End. C'est juste incroyable les amis. Bon bien sûr, je vais pas les garder, hein. On va quand même aller dans le Nether et tout. Faut pas déconner quand même, hein, parce que bah sinon il y a plus de vidéo, hein. Clairement, elle va s'arrêter au bout de 2 minutes, hein. Bon bah écoutez, on va prendre de la pierre du coup. Alors, on va faire une belle petite chute. Voilà, c'est parfait. Et hop là. Allez, let's go, c'est parti. On prend de la pierre en masse, les amis. Pour histoire de refaire des escaliers. Parce que, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pu récupérer les escaliers. Heureusement, sinon ça aurait été cheaté. J'aurais pu en faire juste deux et les poser à l'infini. Oh là là, la vitesse à laquelle ça casse. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh, je suis... Oh, oh yes, c'est parce que j'ai fortune aussi. Oh, j'ai des stacks et des stacks et des stacks, les amis, de charbon. Oh, c'est incroyable, c'est trop bien. C'est juste trop bien, regardez-moi ça, je prends toute la pierre nécessaire. Et puis bah écoutez, maintenant on remonte à la surface. Alors on va quand même reprendre du charbon au passage. Voilà, même si j'en ai plus qu'assez, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Non mais les amis, là c'est un défilé, hein, clairement, c'est un défilé d'items. C'est un défilé de tout ce qu'on veut, mais c'est juste incroyable. Eh bien écoutez les amis, c'est à votre tour de me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce mode dans les commentaires. Voilà, mettez une note sur 10 comme d'habitude, ce que je vous demande. Parce que franchement là le mode est juste oufissime, il est incroyable. Et puis bah écoutez, moi entre temps je vais tout refaire chauffer. Vous avez 2 secondes pour répondre à la question. Moi j'ai 3 heures pour patienter, voilà. Et bah ça y est, regardez-moi ça les amis, c'est bon, j'ai mis toute la pierre au four, regardez-moi ça, oh là là, c'est magnifique. Donc bah bien sûr, dites-moi dans les commentaires, hein, je vous le rappelle encore une deuxième fois consécutif, mettez une note sur 10 pour ce mode. Moi franchement je mettrais un bon 7 sur 10, parce que c'est pas trop compliqué, c'est ni trop facile aussi, mais par contre les items sont ultra OP, et ça j'adore, et c'est juste trop cool. Après je mettrais aussi un, je sais même plus ce que j'ai dit 8 ou 7, 7 sur 10 je crois j'ai dit. Je mettrai cette note là parce que tout simplement ça donne des yeux d'Ent et ça c'est pas vraiment vraiment folichon. Je préfère aller les chercher moi-même, c'est beaucoup plus marrant. Et ben ça y est, c'est bon, regardez-moi ça, on va déjà récupérer tout ça, voilà, parce qu'on a bien attendu et là j'en ai plus que marre et je pense que ça sera suffisant pour faire des escaliers. Et puis en attendant de faire les escaliers, bien sûr, la suite chauffe. Et voilà, c'est parfait, regardez-moi ça, on a plein de stacks. Et ben écoutez, hop là, on va les mettre comme ça. On va tout diviser, voilà. Comme ça, là, on a déjà 2 stacks. Waouh, on a 2 stacks, les amis, c'est incroyable. Et puis là, ben, on en a pas mal. Et ben écoutez, il reste plus qu'à les poser en ligne. Allez, let's go, c'est parti. On va les mettre comme des malpropres, voilà. Puis bah écoutez, là, je pense que ça sera déjà pas mal. Allez, let's go, c'est parti, on casse tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est une épée. Alors, j'espère que ça donne des épées, hein, quand même. Oh, la vitesse à laquelle ça casse, mon Dieu, c'est incroyable. Et bah écoutez les amis, je crois que ça ne donne pas d'épée, enchante. Ça donne des haches, ça donne des pioches, ça donne pas mal de choses, mais ça ne donne pas d'épée. Donc bon, bah c'est pas grave, écoutez, hein, on va faire sans. Pour l'instant, la hache est quand même largement supérieure d'une épée, parce que j'ai tout simplement Sharpness 32, donc c'est juste incroyable. Et bah écoutez, je pense qu'on là, on est pas mal. On va juste laisser tout ça comme ça. On va même jeter quelques petits trucs, donc ça on ne veut pas, ça on veut pas. Et voilà, c'est parfait, le petit tri est fait. Et puis bah écoutez, on va juste récupérer la table de craft. Et puis bah écoutez, il reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de trouver une grotte pour aller chercher tout simplement, et ben du fer.
Eh bien écoutez, c'est parfait, regardez moi ça, hop là, il y a du fer juste ici, hop là, on va le récupérer bien évidemment. Comme ça on va pouvoir se faire saut, on va pouvoir faire un petit briquet, ça c'est vraiment juste trop cool. Mais je suis bête, c'est vrai, je suis en protection 10. Ok, il y a un deuxième endroit, lui j'espère que... Ah, bon, on le one-shot pas, dis donc. Ah bah il y a un deuxième, ah si on l'a one-shot lui. Eh bah écoutez, c'est pas mal, on s'en sort pas trop mal. Là il y a du gravier, on va aller récupérer du gravier pour tout simplement faire un petit briquet. Eh bah c'est parfait, c'est bon, on a notre gravier. Et puis bah écoutez, on va se poser juste ici. On va faire un beau petit four. Alors faut pour ça récupérer de la pierre. Bien évidemment j'ai fait 15 milliards de fours, mais là j'en ai pas. Et voilà, c'est parfait, là maintenant on n'a plus qu'à attendre à ce que ça chauffe, à ce que ça nous donne 4 de fer, 3 pour un seau, 1 pour le briquet. Et là on sera nice. Et ben voilà, c'est bon, c'est parfait, on a un seau, on a un briquet. On va aller récupérer la source d'eau qui est juste ici, celle-ci est moins haute. Et voilà, c'est parfait, la source d'eau est récupérée. Et puis bah écoutez, je sais pas si vous vous rappeliez, mais au début de l'aventure, et bah tout simplement, il y avait un lac de lave juste à côté de moi. Et bah écoutez, on va retourner dans la bonne... Ah ! J'ai failli tomber. On va retourner dans la bonne direction. Alors attendez, je suis perdu, faut que je retrouve déjà le village. Ok, il est là. Et bah écoutez, c'est du tout droit. Je vais faire du tout droit, et puis on va retomber sur ce lac de lave. Comme ça, on s'embête pas, on va prendre de la netherite. Enfin, de la netherite. De l'obsidiane, et puis, et bah écoutez, on va aller dans le nether. Bon, et bah écoutez, les amis, je me suis complètement perdu, mais j'ai trouvé un autre lac de lave, donc là, c'est parfait. J'ai continué tout droit, et puis, bah écoutez, allez, let's go, c'est parti, de l'obsidiane en masse, on en veut, on en veut, on en veut, et on va aller dans le nether, les amis. Et bah voilà, c'est parfait, et là, oh, mais quel bonheur, oh, quel bonheur de casser comme ça, regardez-moi ça. Oh là 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 là, incroyable. C'est bon, on a suffisamment d'obsidiane, je pense, là. Hop là, on va récupérer les petits bouts qu'il y a là. Ah bah oui les amis, regardez-moi ça, on en a 23, c'est génial. Puis bah écoutez, on va faire le portail juste ici. Et allez, c'est parti, allumage de portail. Et là maintenant, on passe et on va chercher soit une forteresse, soit une forêt bleue. Ah, bah on est un petit peu bloqué, dis donc, dis-moi. Et bah écoutez, on va remonter comme ça. Ah, c'est la bedrock. Pourquoi je peux la casser? Ah non, je peux pas la casser. Ok, donc là on va redescendre les amis, parce qu'on est beaucoup trop haut. Et ça y est, c'est bon, regardez-moi ça, on vient de tomber sur une forêt rouge. Et bah écoutez, il reste plus qu'à trouver une forêt. On va pas aller chercher Thunderman parce qu'on a déjà les Underperles, mais on va quand même au moins faire les bâtons de Blaze. Comme ça, au moins, il y aura un petit peu de challenge. Ah, et bah je me disais bien qu'il y avait une forêt au bout, enfin une forêt, une forteresse au bout de cette forêt. Oh là là, c'est bon, c'est parfait, on vient de trouver la forteresse. Et bah écoutez, let's go, c'est parti, on va aller farm tout simplement du Blaze. Et où il y en a, où il y en a, où il y en a, je ne sais pas, peut-être derrière moi. Non. Oh c'est bon, je vois un spawner à Blaze. Et bah écoutez les amis, on y va de ce pas, on va les déglinguer. Et on va essayer d'avoir 8 bâtons de Blaze, ça pourrait être pas mal. Oh, qu'est-ce que tu veux toi? Bam, one shot, bam, bam. C'est normal que j'ai plus de vie? Ah oui, 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 c'est vrai, c'est mes pommes, je suis bête. Hop là, et voilà, c'est parfait, premier Blaze. Et on n'a pas eu de bâton. Et allez, c'est parti, boum. Allez, viens par ici toi, non, t'es trop haut, non, reviens. Oh, t'es trop haut. Eh ben voilà, c'est bon. Toujours pas de bâton de Blaze. Eh ben écoutez, regardez-moi ça. Il y a un deuxième mob spawner de Blaze. On va y aller et on va essayer d'avoir un seul bâton déjà. Ça serait déjà pas mal. Et allez, c'est parti. Boum, boum, mon pote. Et ça y est, c'est bon. On a notre premier bâton. Regardez-moi ça. Eh ben ça fait plaisir. Voilà, c'est bon. Au bout du dixième Blaze, fallait bien que ça arrive. Et puis bah écoutez, on va faire des allers-retours jusqu'à temps qu'on ait assez de bâtons de Blaze. Et allez c'est parti, c'est bon les amis, on en a 7 et bah c'est bon, on en a 8, on en a même 9 les amis, et bah c'est génial. Et bah voilà c'est bon, on a rempli notre part du travail. Et puis bah écoutez, regardez-moi ça, sans plus tarder on va faire ça. Hop là, on va faire des underperles, voilà, bah parfait. Et bah là on est super bien. Et puis bah écoutez les amis, on retourne dans l'overworld et on va aller tuer l'Under Dragon. Et bah ça y est, c'est bon, on est de retour dans l'overworld des amis, on est retourné au niveau du village, parce que tout simplement il fait nuit. Alors attendez, s'il fait nuit, on va peut-être aller chercher quelques petits mobs, genre du style 2-3 squelettes, une araignée pour avoir des fils, ça pourrait être pas mal. Et bah ça y est, c'est bon, première araignée, boum, c'est bon, on a eu un fil, ça, ça fait plaisir. Deuxième petite araignée, boum, extermination, toi aussi, extermination mon pote. Troisième araignée, aïe. Et bah voilà, c'est bon, c'est parfait, on a assez de fils. Et bah maintenant il reste plus qu'à chercher des flèches, quelques flèches, parce que là on en a juste 4, c'est pas énorme. Donc j'aimerais bien avoir, au moins en avoir 15. Allez, boum, toi viens par ici, tes flèches, merci mon pote. Hop là, des flèches encore, c'est parfait. Et allez Banzai, viens par ici toi mon pote. Oh c'est bon, il nous a même donné un arc. Oh, il est pas en si mauvais état. Et bah écoutez, c'est parfait, on va le garder hein.
Allez viens, hop là. Et voilà, c'est parfait. On en a combien? Deux flèches, parce que là ça fait un petit moment qu'on est en train de farm. Et bah écoutez, on en a 22, je pense que ça sera amplement suffisant. Et bah écoutez les amis, il reste plus qu'une chose à faire, c'est de dormir. Allez, hop. Et allez, c'est parti, on va aller chercher le Strong Gold. Voilà, parfait, on va prendre les yeux d'Ent. On va lancer ça, on va voir dans quelle direction c'est dans cette direction. Et là les amis, avec... Oh non, elle s'est cassée, non. Bon, et du coup, ce que je voulais dire, et du coup, avec notre stuff qu'on a, j'espère qu'on va détruire très facilement l'Under Dragon. Déjà, juste avec une hache, je pense que en... allez, je pense en 6 coups, je devrais le tuer. Ok, on est toujours en train de se pavaner dans les plaines de Minecraft pour aller chercher le Strong Gold. Ça commence à faire un petit moment que je suis en train de me pavaner. C'est chiant, c'est très chiant. Ok les amis, là j'en ai plus que marre. C'est bon, je vais en lancer une, je vais juste voir où ça part. Et oh, c'est parti dans le sol. C'est bon les amis, c'est bon. On vient de trouver le Strong Gold, je pense. On va juste regarder où elle remonte, cette Under Pearl. Eh bah écoutez, elle est jamais remontée. Bon bah écoutez, on va creuser par ici hein. On va bien voir où on va tomber hein. Et allez c'est parti, oh c'est trop bien. Avec cette pioche c'est juste trop bien. Eh bah ça y est, regarde-moi ça, on vient de trouver le Strong Gold. Oh c'est juste trop bien les amis. Et puis bah écoutez, on va descendre parce que là il y a des Silverfish, c'est juste trop chiant. Et puis bah écoutez, maintenant il reste plus qu'à trouver le portail. Allez c'est parti, on va aller dans cette direction et c'est un cul-de-sac. Ok, on va tenter notre coup de ce côté-là, on va bien voir où ça mène. Alors là il n'y a pas de bouton et il n'y a rien du tout, génial. Bah écoutez, on va essayer de ce côté-là, hop là et... Oh c'est bon, c'est bon, on vient de trouver le portail. Oh mon dieu, j'ai cru que j'allais vraiment jamais le trouver. Ça faisait depuis une éternité que j'étais en train de chercher. Et bah c'est bon, c'est parfait, on vient de le trouver. Et puis bah écoutez, Banzai, hein, on saute direct, hein, on est des fous nous. On va quand même prendre l'arc dans notre main. Et puis là on peut tout simplement passer par ici, voilà. Et ça y est, c'est bon, on y est. Et puis bah écoutez, hop là, on va déjà shot celui-là. Oh là 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 là, un franc-tireur les amis. C'est parfait, on en a déjà détruit deux. On va en détruire un troisième. Ah bah non, troisième, deux détruits. Quatrième, là-bas, c'est pas possible. Non, j'ai pas voulu toucher l'Under Dragon. Ok, c'est bon, on l'a détruit. Puis bah écoutez, on va faire celui de là-haut, là-bas. Alors attendez, on va essayer de bien viser. Non, c'était juste à côté, non, j'ai le seum. Eh bah écoutez, c'est parfait, là c'est détruit. On va détruire ce en cage maintenant. Eh bah écoutez, c'est fait, le premier en cage. On va faire le deuxième. Eh bah écoutez, le deuxième, c'est fait. On va se faire celui-là, Den Crystal, là-bas. Hop, on va essayer de monter le plus haut possible. On va se viser et boum. Non, c'était pas assez haut. Ok, c'est bon, c'est détruit. Il reste là-haut, là, juste ici. Eh bah, c'est détruit. Il reste là. Eh bah, écoutez, c'est détruit. Je crois qu'on a détruit tous les N-Crystals, les amis. Eh bah, c'est parfait. On va aller en dessous. Hop, là. On se met bien comme il faut. Et boum, boum, deux, trois. Ok, trois coups. Là, on est déjà à trois coups. On ne lui a pas enlevé la moitié de sa vie. J'avais dit six coups. Donc là, on est un peu loin des six coups, quand même. Hein. Bah, écoutez, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Il ne peut plus se heal. On a réussi avec bah, très peu. Bah, on a même plus de flèches. On a fait pile poil 22 flèches pour détruire tous les N-Crystals. Là, c'est parfait. Maintenant, il reste plus qu'une seule chose à faire, c'est d'attendre qu'il se pose. Et ça y est, c'est bon, il est sur le point de se reposer. Donc on était déjà à 3 coups. Donc on va continuer à compter pour savoir combien de coups on doit mettre pour le tuer avec ce stuff là. Je vous rappelle quand même que j'ai Sharpness 32 dessus. Donc c'est quand même énorme. Puis bah écoutez, bah, ça suffit pas quoi, hein, clairement. Et allez, let's go, c'est parti. Donc 4, 5, ok, en 5 coups, je lui ai enlevé un petit peu plus de la moitié de la vie. Donc en grosso modo, il en faudrait 9, je dirais. Eh ben ça y est, c'est bon, regardez-moi ça, il est en train de se poser, et là cette fois-ci je pense qu'on va le tuer, donc on était à 5 les amis. Et allez, c'est parti, 6, 7, 8, 9, eh ben j'avais dit 9, eh ben c'est parfait, regardez-moi ça, je me suis repris, j'ai dit 9, et voilà, c'est bon, on vient de tuer l'Under Dragon, c'est toujours aussi magnifique l'explosion du dragon, oh là 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 là, magnifique. Et bah voilà les amis, c'est tout simplement la fin de la vidéo. Et bah écoutez, c'était tout simplement des escaliers en briques qui droppaient du stuff ultime. Moi j'ai vraiment surkiffé ce mode. Je lui mettrai un petit 6 sur 10. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous allez mettre comme note. Voilà tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle, il y a l'objectif 100 000 abonnés avant le début de l'été. Donc ça veut dire début juin les amis. Donc s'il vous plaît, je veux une pluie d'abonnements. Let's go, c'est parti. Et activez bien évidemment la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortent. N'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'était la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et moi sinon sur ce je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.